Il y en a qui passent leur temps à faire des efforts pour que les autres les aiment. Il y en a qui passent leur temps à faire des efforts pour que les autres les valident, pour que les autres les acceptent. Et qui ne font aucun effort pour s'aimer eux-mêmes. Hey, good morning, Internet! J'espère que tu te portes à merveille et j'aimerais partager avec toi quelque chose d'assez important aujourd'hui parce que j'ai traversé des périodes de ma vie où j'ai voulu plaire aux autres, où j'ai voulu être aimé des autres, où j'ai voulu être validé par les autres, où j'ai voulu que les autres m'aident à me prouver ma valeur. Et je ne pense pas que ce soit mauvais. C'est même une bonne chose parce que ça te permet d'avoir des relations des fois où tu t'impliques, où tu fais attention à l'autre, tu laisses une place à l'autre. Tu t'efforces de lui prouver tes intentions, ta valeur et même la valeur que tu lui prêtes. Par contre, si tu ne réalises pas que tu dois prioriser tes efforts, c'est là où ça devient compliqué. Il y en a qui passent leur temps à faire des efforts pour que les autres les aiment. Il y en a qui passent leur temps à faire des efforts pour que les autres les valident, pour que les autres les acceptent. Et qui ne font aucun effort pour s'aimer eux-mêmes. Aucun effort pour se valider eux-mêmes. Aucun effort pour se respecter eux-mêmes. Et c'est là où moi j'interviens parce que on est des êtres sociaux. Vous m'avez entendu le dire, pour ceux qui me suivent, je ne suis absolument pas un mec qui te prêche l'individualisme au plus haut point, machin. Ouais, moi, je suis un Africain. J'aime la famille, j'aime les amis, j'aime la vie, j'aime le peuple, j'aime la communauté, j'aime être avec les gens. D'accord? J'estime qu'on est une famille humaine et qu'on n'est pas venu là pour être seul avec son amour pour soi, ses problèmes à soi, sa vie à soi. Et c'est... Non. On est là pour partager et dans ces échanges, on s'enrichit. Mais on se doit à nous-mêmes du respect, de l'amour, de la validation et cette envie de se prouver notre propre valeur. Donc mon message aujourd'hui, c'est celui-là. Ne fais plus d'efforts pour plaire aux autres tant que tu n'as pas fait d'efforts pour te plaire à toi-même. Ne fais plus d'efforts pour que les autres te valident tant que tu n'as pas fait d'efforts pour te valider toi-même. Ne fais plus d'efforts pour que les autres t'aiment tant que tu n'as pas fait d'efforts pour t'aimer toi-même. Bon, le camion qui fait ses travaux sonne la fin de cette petite capsule. J'espère en tout cas qu'aujourd'hui... Bon, on va courir, hein, parce que m'embête ce camion-là. S'il vous plaît, monsieur, arrêtez de faire du bruit. Bref, j'espère en tout cas que cette petite capsule te permet de réfléchir à ça. C'est quand la dernière fois que tu as fait des efforts pour te prouver que tu t'aimes? C'est quand la dernière fois que tu as fait des efforts pour t'emmener à te respecter toi-même? C'est quand la dernière fois que tu as fait des efforts pour te valider toi-même, pour t'accorder à toi-même de la valeur? Passe une merveilleuse, une fantastique journée. C'était Sudéi et je te dis à ciao.